ABS en cours, la réussite scolaire est la principale priorité. Pour cela, il faut savoir que 25% du budget de la commune est alloué aux trois groupes scolaires. En plus de l'instruction donnée au quotidien par les équipes enseignantes, l'éducation peut aussi être différente, soit par des parcours artistiques, culturels, sportifs, ou alors s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Pour enrichir le parcours scolaire de nos enfants, la ville est engagée dans le 100% LACE, éducation artistique et culturelle. Ainsi, depuis 2018, des projets sont mis en place dans la ville. Pour cette année, les enfants ont travaillé avec deux compagnies, une théâtrale et une musicale. Donc, ils ont ainsi pu monter en étroite collaboration avec les équipes d'enseignants, donc deux belles offres collectives. La ville a participé à hauteur de 24 000 euros. 13 classes ont été concernées sur toutes les écoles de Bessancourt. Pour aller un peu plus loin dans le parcours artistique et musical, nous allons parler des classes orchestres. Ce dispositif innovant existe depuis 2013 sur la commune de Bessancourt. Il s'agit en fin de compte d'une heure de cours par semaine avec deux intervenants musicaux. Les enfants travaillent sur les percussions et sur les cuivres. À ce jour, 25 classes ont pu bénéficier de ce dispositif. Gageons que nous ayons sur notre commune des musiciens en herbe. Cette année encore, grâce aux subventions de la commune, plus de 260 enfants ont pu partir en classe de découverte avec leurs enseignants pour acquérir de l'autonomie et de la cohésion collective.